On se retrouve pour la présentation sur le jeu du Capital Tolbo fait par Néa et Julie du Collège Marie de France de Montréal. C'est à vous. Bonjour, donc je m'appelle Julie Bon et avec Néa Guibert, on va vous présenter le jeu du Caporal Talbot. Pour vous présenter ce jeu, on va s'appuyer quand même sur une compétition qui aurait lieu samedi et finalement comme prix, ce serait un voyage à Miami parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu Caporal Talbot est à l'origine un jeu. Voilà, merci. Bonjour Julie. Voilà Néa, ça va? Oui. Et toi? Moyen, parce que samedi, là, j'ai une compétition sur le jeu Caporal Talbot. Sur quoi? Tu connais pas? Non. Le jeu Caporal Talbot? Non? Bah, si tu veux, je t'explique. Ouais, vas-y. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire, deux joueurs s'affrontent. Et chaque joueur, il va avoir le même nombre de soldats. Et il doit l'organiser en trois troupes. Ah, ok. C'est comme une guerre? Oui, finalement, c'est comme une guerre. Et en fait, la troupe 1 du joueur principal, il va affronter la troupe 1 de son adversaire. Tu vois? La troupe 2 affronte la troupe 2. Et la troupe 3, c'est la même chose. D'accord. Donc là, tu te dis sans doute que c'est assez simple comme jeu Oui. finalement, mais il y a une petite difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur doit définir le nombre de soldats qu'il attribue à chacune de ses troupes, sachant que la troupe 2 doit avoir un nombre de soldats supérieur ou égal à celui de la troupe 1, et la troupe 3 doit avoir un nombre de soldats supérieur ou égal à la troupe 2. Donc vois ça vraiment comme un escalier où la première marche sera la troupe 3, la deuxième marche sera la troupe 2, et la troisième la troupe 3. Ok? D'accord. Si t'as compris ou pas? Pour Je l'instant, ça pense, va? oui. Alors, il faut savoir qu'une partie se joue en trois manches, dans lesquelles les combinaisons des deux joueurs s'affrontent. Donc imaginons mon adversaire s'appelle Noé. Dans la première manche, ma combinaison 1 va affronter la combinaison 1 de Noé. Dans la deuxième manche, ma combinaison 2 affronte la combinaison 2 de Noé. Et Et c'est dans la pareil troisième pour la manche, troisième. c'est là pareil. D'accord. Donc t'as compris là ou ça va? Honnêtement, je ne suis pas très sûre. Ok, est-ce que tu veux qu'on fasse un exemple? Oui. On va dire qu'on a 12 soldats en compétition, ok? Et je vais te demander d'imaginer une combinaison qui va finalement respecter toutes les consignes que je viens de te donner. Ça te va? D'accord. Ok, donc pensez. 2, 3, 7, ça marche? 2, 3, 7, ça fonctionne, effectivement. Donc moi, j'avais pensé à 3, 4, 5. Et on voit là que 3, 4, 5, ça gagne, vu que finalement, 3 est Ah. supérieur à 2 et 4 est supérieur à 3, tu vois? Donc pour la première manche, j'ai gagné. Deuxième manche, je pense à une combinaison. 2, 5, 5. Ça fonctionne. Moi, j'avais pensé personnellement à 1, 4, 7, tu vois? Et là, Ah, du coup, tu as gagné, vu j'ai que 2 est gagné. supérieur Ouais. à 1. Et voilà, t'as compris. Dernière manche, 4, 0. 4, 4. Ok, moi 0,39. Et bah du coup, j'ai gagné, parce que finalement, 4 est supérieur à Ah. 0 et 4 est supérieur à 3. Donc c'est ça le jeu, tu vois. Mais du coup, ça me stresse un peu, parce que c'est qu'un jeu de chance, tu vois. Et j'ai vraiment besoin de ce voyage à Miami, parce que c'est important, tu Bah, vois. c'est peut-être un jeu de chance, mais il y a peut-être aussi comme une combinaison qui a plus de chances de gagner que Plus de chance. d'autres, donc tu peux augmenter tes chances de gagner. Bah, j'y avais pensé, tu vois. Je m'étais dit que... Et finalement, le truc, c'est qu'en fait, il faudrait tester pour toutes les combinaisons. Et bah, ce serait un peu long, parce que le jury pourrait décider de mettre un nombre de soldats égal à 1101, par exemple. C'est vrai. Puis je peux pas tout tester, tu vois. Mais il y a peut-être aussi une logique qui connecte ces combinaisons qui ont plus de chances de gagner. Ah, peut-être, ouais. Bah, du coup, on teste comment ça, en fait? Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette logique? Faudrait tester. Ok. Donc maintenant, il faut trouver la combinaison qui a le plus de chances de gagner. Et s'il y a une logique pour la trouver. Donc on va commencer par tester avec un nombre de soldats égal à 12, 15 et 20. Donc tout d'abord, on a fait quelques tests sur cahier. Donc sur l'image à droite, on peut voir, on a écrit toutes les combinaisons possibles qui au total faisaient 12 soldats et on les a fait affronter entre elles. Et puis sur l'image à gauche, on a en fait compté le nombre de fois que chaque combinaison faisait égalité, perdait et gagnait. Donc, finalement, en utilisant cette technique, donc, on a trouvé que pour 12 soldats en compétition, la combinaison qui a le plus de chances de gagner était 2-5-5. Mais ce n'est pas parce qu'on dit combinaison qui a le plus de chances de gagner qu'elle gagne à tous les coups. Par exemple, face à 0-6-6, elle perd. Donc, vraiment, on parle de combinaison qui a la plus grosse probabilité de gagner et non de combinaison qui gagne tout le temps. C'est ça. On a fait la même chose pour 15 soldats en compétition et on a trouvé que la combinaison qui a le plus de chances de gagner est donc 3-6-6. Et puis encore une fois, et ben, ça ne veut pas dire qu'elle a le plus de chances de gagner, qu'elle va gagner à tous les coups. Donc par exemple ici, elle perd contre 0-7-8. C'est ça. Donc maintenant, il faut tester les combinaisons avec 20 soldats en compétition. Donc on a fait un coin hypothèse et on a remarqué en fait que la combinaison qui a le plus de chances de gagner pour 12 et 2-5-5, et puis celle pour 15 soldats au total est 3-6-6. Et en fait, tout ce qu'on a fait, c'est rajouter un soldat à chaque troupe.
Et donc, dû à finalement, à cette trouvaille, et bien on a développé une hypothèse des différences. C'est finalement, est-ce que pour trouver la combinaison qui gagne le plus, est-ce que le nombre total ajouté à 2, 5, 5 dépend de la différence entre 12 et le nombre de soldats en compétition? Alors là, ça peut sembler un peu flou ce que je dis, mais finalement, je vais donner un exemple. Donc avec 15, 15 moins 12, bon, ça fait 3, je ne vous apprends rien. Et donc finalement, on va rajouter 2 plus 1 égale 3, 5 plus 1 égale 6, et 5 plus 1 égale 6. Ça veut dire qu'on rajoute 1 à chaque troupe finalement. C'est ça. Et 1 fois 3, c'est égal à 3. On a aussi développé l'hypothèse quelconque, c'est est-ce que ce serait tout simplement du hasard? Est-ce qu'il y a vraiment une logique finalement derrière les victoires dans le jeu? Donc ici, j'ai fabriqué un programme sur Scratch à base de variables. Et en gros, ça nous a aidé à aller beaucoup plus vite et à être plus sûr de nos résultats. Donc, merci Néa. Donc à présent, avec la combinaison qui a le plus de chances de gagner, avec 20 soldats en compétition, on a trouvé que c'était 4-8-8. Donc là, on était très contents parce que c'était la combinaison qu'on espérait trouver, car finalement, ça rentre avec l'hypothèse des différences. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la combinaison qui a le plus de chances de gagner, qu'elle va à tous les coups gagner. C'est ça. Donc maintenant, on peut revenir à nos hypothèses, maintenant qu'on a trois résultats. L'hypothèse des différences, elle fonctionne pour les résultats trouvés finalement, parce qu'on a trouvé on espérait les trouver finalement. Mais on ne peut pas prouver qu'elle fonctionne pour tout, parce qu'on n'a ni le temps ni les moyens de le faire. Puis l'hypothèse quelconque, bah, finalement, elle dépend de l'hypothèse des différences. Donc on ne peut rien prouver finalement. Donc Néa, c'est très sympa de m'avoir aidé déjà pour ma compétition de samedi. Mais tu me disais, si imaginons mon adversaire, il a exactement la même stratégie que moi. Tu vois? Du coup, ça voudrait dire qu'on aurait toujours les mêmes combinaisons qui s'affronteraient, et ce serait un peu problématique d'avoir que des égalités, tu crois pas? Moi aussi, j'y ai pensé et je pense avoir trouvé une contre-stratégie. C'est quoi? Ben, en fait, il faut que tu mettes zéro soldat dans ta troupe 1 Ok. et ensuite tout va dépendre du nombre total de soldats. Okay? D'accord. Il faut regarder s'il est pair ou impair. Ok, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ok, donne-moi un nom pair. 14. Ok, admettons le nombre de soldats total est 14. Ok. Tout ce que tu as à faire, c'est diviser ça par 2. 7. Tu vas donner 7 soldats dans ta troupe 2 et 7 soldats dans ta troupe 3. Et normalement, ça va battre la combinaison qui a le plus de chances de gagner avec 14 soldats total. Oh, mais du coup, si c'est impair, on fait comment? Si c'est impair, donne-moi un nombre impair. 21. Tu vas faire moins 1 Ok, 20. divisé par 2. 10. Ok. Donc tu vas faire 10 dans ta troupe. Tu vas donner 10 soldats dans ta troupe 2. Ok. Et puis dans ta troupe 3, en fait, tu vas faire 10 plus 1. Parce que tout à l'heure, tu as Ah, soustrait 1. ok, et du coup, on ajoute ça à la troupe 3 et pas à la troupe 2, parce que finalement, la troupe 2 n'a pas le droit d'être supérieure à la troupe. C'est exactement ça. Ok, bon, bah, génial, merci beaucoup, Mia. Normalement, cette contre-stratégie marche à tous les coups, mais on ne peut pas la prouver. Donc, en conclusion, on a trouvé plusieurs résultats, et notre hypothèse de différence a fonctionné pour les résultats qu'on a trouvés. Mais encore une fois, on n'a ni le temps ni les moyens pour prouver si nos hypothèses marchent à tous les coups. Puis du coup, pour ma compétition de samedi, j'ai juste à croiser les doigts pour que finalement le jury décide de me mettre soit 15 soldats, soit 12 ou 20. Ou alors que notre hypothèse des différences fonctionne tout le temps. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup pour votre belle présentation, c'était super intéressant. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez essayé de voir si c'était toujours un résultat de la même forme, c'est-à-dire par exemple 2, 5, 5, donc les deux derniers chiffres qui sont les mêmes, ou est-ce que Alors, ça peut être autre chose? justement, on avait trouvé que, en fait, des fois, c'était le, pardon, le résultat de la troupe 3 avait un de plus que celui de la troupe 2. Donc là, je n'ai pas d'exemple sur moi. Pardon, 4, 7, 8, imaginons. On avait trouvé que la combinaison gagnante, finalement, pouvait avoir la troupe 3 pouvait avoir un résultat, enfin, un soldat de plus que la troupe 2. Oui, ça revient à notre hypothèse des différences. Parce que finalement, imaginons la différence, c'est de 4. Et ben, ça fait que finalement, on va ajouter 1 dans chaque troupe. Et on va en rajouter 1 dans la troupe 3, parce que je rappelle encore, la troupe 2 ne peut pas être supérieure à la troupe 3. D'accord, merci. Et le code sur Scratch que vous avez montré, est-ce qu'il permet de tester toutes les combinaisons que vous voulez, ou est-ce qu'il a des limites? Normalement, oui. D'accord, super. Y compris tous les matchs possibles. Voilà, il est ici. Donc Ouais. en fait, c'est à partir de variables. Oui. Donc il faut juste mettre les nombres. D'accord, Et donc en théorie, il n'y a pas de limite. ensuite. En théorie, non.
Et vous avez testé jusqu'à. Vous avez testé sur pas mal de chiffres? On a testé avec 20 soldats en compétition. Finalement, avec le programme, on a testé avec 20 soldats en compétition. Ça nous a vraiment aidé parce que c'est long à faire 20 soldats, il faut savoir. Et on était beaucoup plus sûrs de nos résultats. En plus, oui, parce que vu que c'est un travail qui doit être assez précis, avoir un programme qui est fait pour nous, finalement, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Et finalement, est-ce que vous avez eu des pistes que vous avez après laissées de côté parce qu'elles aboutissaient à rien ou est-ce que vous avez trouvé assez rapidement? Finalement, en fait, lorsqu'on avait trouvé la combinaison qui gagnait plus pour 15 soldats, et ben, Néa avait déjà remarqué qu'il y avait une similitude, puis elle avait déjà pensé un peu à l'hypothèse des différences. Mais finalement, en trouvant la combinaison qui gagne le plus pour 20 soldats, ça nous a juste permis de conclure. D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci. Et bravo encore. Merci.